Je suis Hugues Duval, je suis pilote de ligne sur Boeing 777. Je pilote des avions de voltige, de collection et j'ai la chance de voler sur l'avion cristalline. Cet avion, il a d'unique sa motorisation. C'est le seul avion électrique qui est équipé de moteurs qui sont certes un petit peu plus lourds que les autres avions électriques, mais qui sont beaucoup plus fiables et plus simples d'utilisation. Pour recharger cet avion, je n'ai besoin que de 1h30 et je repars avec une autonomie complète. Pour monter des défis comme celui-ci, il faut du professionnalisme et de la confiance. Et que ça soit dans notre équipe de Bretons originaux ou avec Pierre Papillot et Cristalline, on a rassemblé ce professionnalisme et cette confiance qui permettent d'avoir un projet original, performant et que d'autres n'ont pas pu réaliser. Donc on va faire la visite pré-vol, c'est la dernière vérification avant de partir en démonstration. Ça sont les ailerons. Donc c'est ces toutes petites gouvernes qui vont permettre de virer à gauche et à droite pendant le vol. Là après l'aile hein, qui doit faire à peu près une dizaine de kilos, qui est vraiment très légère. Les hélices avec les moteurs électriques, il n'y a plus d'échappement et il n'y a même plus besoin de refroidir ce moteur. Voilà, et là après le stabilisateur et la dernière commande, celle de direction. Avec l'avion cristalline, on va utiliser une grue, le soulever, le déposer sur un autre avion plus gros. Là, on va le fixer sur cet avion. On va décoller à deux accrochés et en plein vol, on va larguer ce petit avion électrique dans lequel je serai. Alors, les nouveaux challenges, ça va être d'améliorer encore le record de vitesse en avion électrique et de dépasser les 300 km/h. Et également de participer à des courses. Des courses aéronautiques se font habituellement avec des avions petits, des raceurs, des avions classiques, des avions de voltige, mais ne se font pas encore avec des avions électriques. L'avenir, à mon sens, on va le retrouver dans l'aviation propre. Et Cristalline est associée à l'aviation propre au travers de ce magnifique appareil.